Après le départ de l'église,
Le jour du Seigneur viendra. Mais quand est-ce que l'église partira? Dès le moment. Le Seigneur peut venir aujourd'hui. Soit. À l'instant où nous sommes en train de parler, nous sommes en train de écouter la parole de Dieu. Le Seigneur peut venir. Parce que nous ne savons ni le jour, ni l'heure où il viendra. Il viendra nous surprendre. C'est pourquoi, quel que soit ce qui va se passer, qu'on se marie, qu'on travaille, qu'on mange, qu'on visite les frères et les soeurs, qu'on vienne à l'église, on doit être toujours dans la volonté de Dieu. Parce qu'on ne sait pas. Et aussitôt que l'église part, le jour du Seigneur se présente. Mais bien aimé, cette situation met chacun face à sa réalité. La condition de chacun ne dépend pas de lui. Ce que tu as vécu, c'est ce que tu vas récolter. Ta responsabilité va témoigner pour toi. Ou bien ton irresponsabilité va agir en ta défaveur. Nous devons être responsables et travailler pour notre foi. Alors, ce jour viendra comme un voleur. En ce jour, les éléments embrasés, alléluia, les éléments embrasés, tu vois, en ce jour, les cieux passeront avec un fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle est enfermée, sera consumée. Pour dire que cette terre-là va connaître un chamboulement, un bouleversement, une forme de destruction. Mais pourquoi? Parce que la terre a été assaillie par le péché, l'égoïsme des hommes, la débauche, l'adultère, la cupidité, l'homosexualité, l'arrogance, les vandalismes, toutes sortes d'espèces de pourriture, la tuerie des meurtres, la criminalité, la corruption. La terre en souffre absolument. C'est pourquoi la terre doit être purifiée de cela. Or, la purification de la terre qui va se faire par la dissolution des choses ou bien l'embrasement. Vous voyez que ces éléments va favoriser la purification de la terre. Oui, la terre va connaître un baptême pour Dieu. Que tu veux, que tu ne veux pas, il y aura une explosion sur la terre. Alléluia. Alors, puisque cela est en voie de dissolution, nous savons que ces choses vont arriver. Ces choses vont se présenter bientôt. La dernière fois, nous avons parlé du réchauffement climatique. Mais ce sont des signes. Le temps viendra où le soleil va donner cette fois sa chaleur. Amen. C'est-à-dire que tu vas sortir. Aussi donné du soir à la lumière du soleil, il n'y a pas de la lumière, il n'y a pas de soleil encore. À la lumière du jour, ton vêtement va brûler sur toi. Ça va arriver. Dieu est la vérité. Amen. L'homme est menteur. L'homme est faux. Amen. C'est pourquoi il n'est pas bon pour l'homme de se donner une haute opinion de lui-même. Il n'est pas bon pour l'homme de penser qu'il est quelque chose. L'homme doit agir toujours dans le cadre de l'humilité. Et, comme on le dit, ces choses se présenteront. Nous avons entendu la vague de chaleur en Europe qui a tué 7000 personnes. La chaleur s'est sortie, on ne sait d'où. Ça a brûlé des vieillards et des hommes. Et 7000 personnes en sont mortes. Alléluia. C'est pourquoi nous devons faire attention. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre
votre conduite et votre bébé doit être sainte. Amen. Notre conduite, notre manière de faire. Oui. L'homme a sa manière de voir. L'homme a sa manière d'agir. L'homme a sa manière d'appréhender les choses, de faire les choses. Parce que quand tu as un problème avec un homme, quand il va commencer à te parler, tu vas croire que c'est lui-même qui est, comme on le dit, la Bible. Mais les pensées de l'homme ne sont que les pensées de l'homme. C'est pourquoi Dieu voudrait qu'on agisse comme lui. Amen. Selon lui. Parce que les pensées de l'homme ne sont que passagères. Et l'homme aime à imposer ses pensées à lui. L'homme aime faire ce que lui il veut. Quand une situation se présente, l'homme oublie même Dieu. En commençant par lever à bas de la parole. Si tu marches et que tu supplantes ton frère en train de pécher, va vers lui. Alléluia. Et reprends-le. Gagne ton frère. Si tu le gagnes, alléluia. S'il l'accepte, tu as gagné ton frère. Mais qu'est-ce qu'on fait? Quand la situation se passe, je vais partir vers lui. Il va me regarder autrement. Je me fais prier pour lui. Est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit? Ça, c'est la pensée humaine. On met la pensée de Dieu de côté. Et Dieu, qu'on applique soi-même ses propres pensées. Et qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur va le ramener vers toi, il va te croquer.
parce que tu l'as guéri. Or, si tu l'as guéri, ce prêt guéri viendra plus tard te faire du bien à toi. Parce que là où tu vas trouver lui, il est là pour te l'acheter. C'est pourquoi tout ce qu'on fait, on va le lier en bien ou en mal. Nous devons être vigilants dans notre manière de faire et de marcher. Or, la dissolution de ces choses est un jugement que Dieu ordre, alléluia, sur la terre, pour dire que tous ceux qui auront à commettre des forfaits, tous ceux qui de manière consciente sont en train de maladie, leur attitude les attendront vivant. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de nous conduire avec piété et sainteté. Être comme Dieu. Alléluia. Parce que la piété, c'est cela. Parler comme Dieu. Vivre comme Dieu. Marcher comme Dieu. Voir comme Dieu va. Quoi? Si c'est comme chose d'échappe, le Seigneur connaît ton cœur. Il sait que tu n'es pas pour y arriver. Il sait que tu te forces pour y arriver. Alors le Seigneur t'aidera à y arriver. Mais il y en a qui sont des partisans de moins de forts. Ils refusent même de travailler pour leur foi et pour leur propre vie. Et c'est dommage. Alors, ceux-là qui mènent une vie de piété, une vie de sainteté, parce que notre Père Céleste est saint. Notre Dieu est saint. C'est pourquoi il est le Saint-Esprit. Il a un esprit saint. Alors, que devait être notre attitude? Marcher dans la sainteté, à l'exemple de notre Seigneur et notre Sauveur, pour lui témoigner notre reconnaissance et dire que ce qu'il a dit est la vérité. Amen. Parce que pour lui, la sainteté est possible et il y a des saints sur la terre. Amen. Bien aimé. Et quand nous marchons ainsi, c'est dans ce moment-là maintenant que nous pouvons attendre et hâter l'avènement du Seigneur. Attendez et hâtez. Attendez. C'est le fait de persévérer. Le Seigneur arrive. Tu es prêt. Aujourd'hui, tu es prêt. Demain, tu es prêt. Après, demain, tu es prêt. Tu te fais tout ça toujours à être prêt. Mais quand tu es prêt, tu ne veux même plus qu'il dure. Le esprit qui est en toi veut que le Seigneur vienne. Parce que tu en as marre de tout ce qui se passe sur la terre. Amen. Tu hâtes l'avènement du Seigneur. Mais c'est la sainteté qui attire le Seigneur. C'est pourquoi dans la Bible d'Apocalypse, bien aimé, c'est écrit. L'épouse, c'est pas ça? Nous allons essayer de dire cela dans le monde. Le premier livre d'Apocalypse, le verset 17, le premier livre d'Apocalypse, ça. 22, le premier livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 2. Oui. À partir du verset 1. Si tu peux commencer à partir du verset 15. Dehors les chiens, les magiciens. Dehors les chiens. Et les chiens, c'est un démoché. Le chien n'a pas une femme. Il vous dit toutes les femelles. Un chien, c'est un charognard. Il vomit et il ne peut plus manger. Nous avons commis le péché. Nous avons commis nos belles manières de faire. Nos belles manières de voir. Notre arrogance passée. Notre orgueil ignore d'autres fois. Mais nous retournons dans cela comme si vraiment ces choses avaient de la valeur. Alors que c'est de la boue et de la pourriture. Un enfant de Dieu n'est pas orgueilleux. Amen. Si des enfants de Dieu se ressentent et qu'il y a un qui commence à lever les épaules, et puis vraiment il pense qu'il a quelque chose, il a un décédé. Amen. Parmi les enfants de Dieu, c'est l'unité qui doit prévaloir. Amen. Parce qu'on est bien et puis Christ fait de nous quelque chose. On sait où on est quitté. Quand tu ne sais pas où tu es quitté, tu ne sais pas où tu vas. Mais quand les frères sont entre eux,
ils sont un. Quand les sœurs sont envers, elles sont unies, elles sont une. Alléluia. Une peut s'approcher, demander à Léa pour reprocher à sa sœur ce qui ne va pas. L'autre peut parler à son frère comme il se doit, sans qu'il y ait un problème. Mais quand l'autre veut montrer qu'il a quelque chose, et que c'est lui qui sait, ou bien c'est lui qui est important, alors il y a un problème. Dieu nous a appelés à régler les problèmes. Dieu nous a appelés à avancer sereinement et sûrement de la traiter. Mais Dieu ne nous a pas appelés pour tomber les torses. Alléluia. Et je le dis, je t'en parlais à l'observateur de Dieu. Le peuple ne demande pas d'argument. Parce que même quand les fidèles viennent voir le pasteur, et même ses collaborateurs, et qu'ils disent, pasteur, là, vous m'avez frustré, le pasteur même descend de sa chaise de pasteur et demande pardon aux fidèles. Mais tu es tellement X, X, toi, X, je ne sais pas, parce que les hommes utilisent là tellement négativement. Tu es tellement important, tellement grand, que tu ne peux pas aller en train d'aller tu lui dis, alors que celui-là qui te fait de lui, il est descendu, que tu sois là où tu es. Parce que descendre, c'est bon. Et celui-là qui veut s'aider va te bichir. C'est tout. Quand on comprend cela, on est en paix. On ne dépend pas de quelqu'un. Je marche, je prends l'air. Quand il fait chaud, j'ai un vent intéressant et agréable, je me souffle parce que je suis en harmonie. Je n'ai pas besoin que quelqu'un, vous voyez, me regarde d'une manière pour être en harmonie. Si tu me regardes de travers, si tu me regardes bien, moi je serai toujours en harmonie, moi j'avance. Parce que c'est Dieu qui me régit et cela me suffit. Quand ma conscience ne me donne pas, quand mon cœur ne me condamne pas, alors j'avance de la sérénité parce que je suis ce que je sais que je suis dans le vrai. C'est tout. Votre vie là ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de Dieu. Alors faites ce que Dieu veut et Dieu vous bénira pour cela. Oui, bien aimé, nous continuons. Le magicien. Dehors le chien, le magicien, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres. Nous avons vu ces choses. Un débauché. Même il y a la débauche spirituelle. Ça aussi, ça va être assez important. Mon papa. Oui. Les meurtriers. Nous avons vu, c'est écrit, que celui-là qui hait son frère est un meurtrier. La haine est dangereuse. Le fait de penser mal de ton frère, le fait de dire des paroles à des paroles inappropriées sur ton frère, tu es dangereux, tu es un meurtrier. Non, Jésus est tellement bon qu'il demande à ce que des mains on aille au ciel. Le Seigneur a versé son sang, mais il ne peut pas contredire sa parole. Il a versé son sang pour que tu ne sois plus un débauché. Il a versé son sang pour que tu ne t'adonnes plus à la magie. Il a versé son sang pour que tu ne puisses plus être un idolâtre, un menteur ou un meurtrier. C'est pourquoi il a versé son sang. Laisse Jésus travailler dans ta vie. Laisse-le changer ta vie. S'il a changé pour des personnes, ce n'est pas toi qui peux changer. Ou bien, tu vas être menteur. Jésus n'est pas un menteur. Il change la vie des hommes parce que sa parole est vivante et efficace. Amen. Pour changer la vie de quiconque croit. Alléluia. Oui, bien aimé, nous continuons. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Et il y en a ici, ils aiment ça. Il ne l'a pas fait. Alors il sait qu'il a fait. Et puis il pratique le mensonge. Or, nous savons que quiconque ne pratique pas la vérité est un enfant de diable. C'est écrit. Aimer et pratiquer le mensonge, au lieu d'aimer la parole pour la pratiquer. Je l'ai dit. Mais, quand on ne sait pas pourquoi on garde l'église, mais nous parlons de ça. Tout a été dévoilé. Quand tu es spirituel, Dieu te fait entrer dans les profondeurs et Dieu te révèle les tactiques du diable.
Le diable est dévoilé. Quand le diable est dévoilé au devant de toi, c'est en ce moment-là qu'il fuit de toi. Mais quand tu ne connais pas ses manœuvres, tu te laisses cueillir, tu te laisses avoir. Un frère qui regarde son père et qui le regarde d'une autre manière ne connaît pas pour qui est le diable. Il ne le discerne pas. Comment il a eu ses yeux et si aussi écarquillés, écartés pour aller jusqu'à là? Le travail de la foi. Oui. J'ai dit à des frères, on a été petits, enfants. On est venu de la foi comme vous êtes venus de la foi. Quand nous sommes venus de la foi, on ne jouait pas. Hein. Je n'avais que 17 ans. Je suis en train de marcher, mais mes frères me connaissent ça. Je marche au milieu des frères. Toi, un frère, tu as un comportement qui ne sait pas la parole de Dieu, je m'éloigne de toi. Tu ne m'as apporté quelque chose. Je marche avec toi, je deviens profane, je fais comment? Je me capte. Alléluia. Mais ce n'est pas parce que je me capte que je vais te haïr. Mais frère, pourquoi est-ce que tu ne veux pas sur moi? Je n'étais pas disposé à venir sur moi. Frère. Je n'étais pas aussi intéressé. Parce que je ne fréquentais pas forcément beaucoup ceux qui. Je ne fréquentais pas beaucoup ceux qui avaient l'argent. Mais pour autant, la plupart des frères sont continuellement là-bas. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Chacun sait ce qu'ils cherchent. Aujourd'hui, la plupart de ceux-là qui cherchaient, beaucoup sont entrés aujourd'hui dans le monde. Mais moi aussi, aujourd'hui, je suis sur la foi. Moi, je cherchais Dieu. Amen. Eux, ils cherchaient les intérêts. Chacun sa manière de voir. Chacun sait ce qu'il se cherche. Mais c'est la culture que Dieu te donne qui fait de toi ce que tu vas être. Un enfant laisse voir par ses œuvres ce qu'il sera demain. C'est pas ce qu'il a dit. C'est ce que tu as dit. Un enfant de Dieu, quand il commence, c'est même pas. Ce qu'il est en train de te montrer, c'est ce qu'on va montrer demain. Quand il est hypocrite, il va être fait du bien. Et puis il est pas parce qu'il fait la tête, il est en train de lui. Et puis il est pas une cagole. Il est dangereux. Demain, il sera un destructeur. Mais quand tout petit, tout frère dans la foi et dans le lait, il apprend la vérité, il apprend le nécessaire. Quand même qu'il ne fait pas les choses comme il se doit, le temps viendra où Dieu l'amènera à faire les choses comme il le faut. Parce qu'il a appris de la bonne manière. Aimer la parole et la parole. Mais n'aimons pas le mensonge et n'aimons pas pratiquer le mensonge. C'est dans l'humilité que tout se passe. Parce que nous travaillons pour aller au ciel. Où Dieu ne veut pas aller au ciel? Oui, bien. Verset 16. Oui. Moi, Jésus. Oui. J'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Jésus a tout donné. Il a tout dit. C'est la réalité. Mais pourquoi aujourd'hui, les hommes refusent aujourd'hui de venir dans les églises où ils trouvent que la parole de Dieu est difficile? On aime les églises passives. On aime les églises là où on baigne les hommes. Où il n'y a pas, on annonce une parole d'évangile. Le Seigneur dit, là, est le chemin qui mène à la perdition. Il y a beaucoup qui ont du mal. Mais que toi, est le chemin qui mène à la vie. Resserré dans ce chemin. Très peu de personnes trouvent ce chemin. Amen. C'est le Seigneur qui l'a dit dans la parole. Mais non seulement, l'église épouse n'est pas d'une quantité industrielle, mais d'une qualité limitée. C'est ce qu'elle est. Mais malgré cela, au sein de ceux-là qui se disent être église épouse, il y a des comportements quand on regarde, on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Mais le Seigneur a lui à le dire, si votre, n'est-ce pas,
justice. On la justice. Ce sont nos œuvres. Ce sont nos comportements. C'est le respect des règles et des droits établis par Dieu. Si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens et des sadducéens, vous n'y entrerez pas. Mais en regardant, bien-aimé, moi-même je suis dans le monde. Il y a des païens qui se comportent. J'ai l'impression que ces païens-là aiment même plus que des frères Christ. Et des sœurs Christ. Comment est-ce qu'on explique ça? Des païens. Ils n'écoutent pas la parole de Dieu. Ils sont dans le monde, mais ils savent apprécier la qualité. Et ils veulent une forme d'attachement. Ce que les enfants de Dieu même ne leur accordent pas. Mais ils parlent des enfants de Dieu. Ils sont prêts à tout. Quand il y a une certaine situation qui se crée, ou bien une certaine chaleur, ils sont les premiers à se précipiter et à se pousser. Pour leur témoigner l'amour qu'ils font. Mais ceux qui ont reçu la vérité, c'est quoi? C'est cela. Un frère m'a un problème, il va se marier. On a l'argent, mais on a du mal à marier. Mais pourquoi? Parce que notre cœur n'est pas pénitent. Le cœur n'est pas encore converti. Il vient de nous, disons. Le Seigneur a envoyé son ange à tester ses choses à l'intérieur des églises. Dans les églises. Les frères ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas au courant de ce que le Seigneur est en train de faire. Ils ne peuvent pas le dire. Parce que l'église est illuminée et éclairée. Oui, frère. Je suis le rejeton et la postérité de la vie. Oui. L'étoile brillante du matin. Oui, écoutez bien. Et l'esprit et l'épouse disent. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'épouse. Alléluia. L'église est en train de se préparer pour aller à l'enlèvement. C'est elle qu'on appelle l'épouse. Les deux. Parce qu'il faut l'esprit pour faire l'épouse. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne lui appartiens pas. Mais quand tu as l'esprit de Dieu, alors tu te comportes comme étant membre de l'épouse de Christ. Et qu'est-ce qui se passe? On l'attend et on hâte l'avènement. N'est-ce pas? On demande à ce qu'il vienne le plus tôt possible parce qu'on est fatigué de ce monde. De ce monde perverti. Ce monde mensonger, corrompu. L'esprit et l'épouse disent, viens. C'est pourquoi l'épouse ne sera pas surprise de la vie. Parce que l'épouse elle-même, à l'intérieur d'elle, elle sait que il vient. C'est elle-même qui l'appelle. Si à l'intérieur de toi, tu ne vas pas commencer par appeler le Seigneur, c'est que ce n'est pas parti de l'église. Bien aimé, ce n'est pas un jeu. Hein? Si à l'intérieur de ton cœur, tu ne verras pas l'avènement du Seigneur, si le Seigneur vient, tu vas rester. Parce que c'est l'esprit du Seigneur. L'esprit de Dieu et la parole, c'est celle-là qui c'est ce qui fait l'épouse. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent se conduire comme la parole de Dieu existe et qu'ils se conduisent. Mais ça donne froid au dos. Quand on regarde, il y a beaucoup de choses que le Seigneur a décidé à l'église. Il y a beaucoup d'avertissements. Mais nous devons faire attention. Très attention. Alléluia. Puis faire le tournant dans nos pierres rapidement. Et nous allons poursuivre notre sujet dans ce temps. Mais aujourd'hui, quand on regarde, on parle de mariage. Ah non, comme on doit préparer. Comme on doit apprêter des choses, on ne va pas venir à l'église, en fait. On a déjà parlé. Mais il y a des soeurs qui préparent, qui sont là. Quel argument? Ceux-là qui disent qu'ils sont de même les mariés, là, ils sont là. C'est le Seigneur d'abord. Je suis en train de travailler. Je suis en train de me préparer.
Parce que c'est ça qui fait le mieux. Bien aimé. Frère. Est-ce que tu sais pourquoi tu viens à l'église? Parce qu'on a l'impression que c'est un vient à l'église à côté des autres. Mais non. Mais nous aurons l'occasion de voir. Il y a des éléments qui empêchent ces têtes de ne plus venir à l'église. Et c'est dangereux. C'est le diable qui a la base de ça. Parce qu'ils n'ont pas compris. Oui, bien aimé. Le verset 12. 2 Pierre chapitre 3, verset 12. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Oui. Jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Oui. Mais nous attendons selon sa promesse. Nous attendons selon sa promesse, oui. De nouveaux cieux et une nouvelle terre. De nouveaux cieux et une nouvelle terre, c'est ce que nous attendons, oui. Où la justice habitera. Alléluia. Vous voyez pourquoi la terre sera détruite. Pas détruite entièrement, elle va passer d'une forme à une autre. Amen. Elle sera bouleversée. Oui, frère. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui. Oui. Sans tâche et irréprochable dans la paix. Nous devons travailler. Nous nous appliquer à cela. À être trouvé par lui, sans tâche et irréprochable. Mais c'est le travail de notre foi qui fait cela. Il faut travailler. Il faut sortir des bassesses, des critiques, des calomnies. Les propos ignorants, démesurés. Les paroles hypocrites. Ça ne t'édifiera pas. Ça ne va pas t'aider. Mais quand on en parle, on va dire, ah, mais Dieu, on a dit quelque chose, parce que le pasteur ne sait rien, mais Dieu sait. Il faut sortir de là. Fais ce qui est pour être. Parce que Dieu passe à toi et Dieu t'aime. Amen. De peur qu'il ne soit trop tard. Amen. Nous allons aller dans le livre de Matthieu, chapitre 13. Nous allons lire le verset 1 au verset 3. Matthieu, chapitre 13. Partie de ce jour. Ce même jour, je suis sorti de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'était rassemblée auprès de lui. Excuse-moi. Et monta. Oui. Il monta dans une barque et il s'assit. Oui. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit. Oui. Et le semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Oui. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Oui, tu dis jusqu'au verset 5. Oui. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux. Oui. Où elle n'avait pas beaucoup de terre. Oui. Elle leva aussitôt. Oui. Parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Donc, la semence, nous savons que c'est la parole de Dieu. Amen. Ça, nous le savons. Et selon l'explication, la semence, c'est aussi les fils du royaume. Les fils de Dieu sont appelés la bonne semence. Quand la chose a pris en toi, quand la parole de Dieu t'a pénétré, quand la parole de Dieu a pris position en toi, on t'appelle la semence de Dieu. Donc la semence, c'est la parole, c'est aussi les fils du royaume. Alléluia. Amen. Et le verset 5. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux. N'est-ce pas? Une autre partie tomba dans les endroits pierreux. Dans d'autres versions, une autre partie tomba dans les endroits rocailleux. Où il y a beaucoup de rocs. C'est pas cela? Où elle n'avait pas beaucoup de terre, et ensuite elle se leva parce qu'elle n'avait pas une terre profonde. Ça, c'est l'inversion. N'est-ce pas? Dans cette version, il a dit, elle n'avait pas beaucoup de terre. C'est ça, hein?
disposition n'y était pas. Et dans d'autres versions, la terre n'était pas profonde. La terre n'était pas riche. C'est pour dire que la parole de Dieu ne se reçoit pas n'importe comment. Comme on le dit, c'est une tête disposée. C'est un cœur honnête. Un cœur sincère. Un cœur bon. La Bible dit, recevez avec douceur. C'est-à-dire, tu n'as pas de problème à rien faire. Tu n'as pas de nervosité. Tu es paisible, tout est réglé. Tu as rien. Et quand tu viens, la terre est dure et profonde. C'est une bonne terre. Elle est remplie de fumier. Quand vous voyez, la terre est noire et riche. Mais quand tu viens, ça fait depuis un mois. Il a un problème avec son frère, il n'a pas encore réglé. Il voit réellement, c'est un frère qui n'apprécie pas beaucoup. Il veut réellement qu'on parle de lui. Il veut être orgueilleux. Quand il doute la bouche, c'est lui qui blesse. Mais tu viens déjà l'esprit en lui. L'esprit est disposé. Ça ne peut pas être productif. Pas possible. Bien aimé. Alors, comme on le voit, il n'y avait pas de terre. N'est-ce pas? Comme je dis ici, elle ne savait pas beaucoup de terre. Parce qu'elle ne trouve pas un sol profond. Et là, comme il le dit, une autre partie tomba dans les endroits rocailleux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Et aussi, son elle est là parce qu'elle n'avait pas une terre profonde. Luc 8, le verset 6, nous dit ici, une autre partie tomba sur le roi. Elle a poussé, elle est séchée parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Il n'y avait même pas l'eau. Oh, l'eau de cet esprit. Mais ça, oh, je veux faire quoi? Donc on parle de la disposition de la terre. On parle de la profondeur de la terre et on parle de l'humidité. Quand la terre est humide, elle est riche. Allez-y. Dans un... Comment on appelle ça, le désert? C'est le sable, il n'y a pas de douceur dedans. Allez-y. Dans un endroit sèche. Dans une savane, quand vous grattez, c'est dur. Vous creusez, c'est difficile. Mais allez-y dans la forêt. À peine vous mettez le poids sur la tête de la terre, en même temps, elle rentre. Alléluia. Parce qu'il y a du fumier. Parce qu'il y a de l'humilité. C'est un cœur disposé, un cœur bon, un cœur sincère et honnête. Produit du fruit. Amen. Bien aimé. Avant de venir dans la maison de Dieu, on prend ses dispositions. Si tu n'as pas ça, frère, pourquoi te plaquer? Il faut rester à la maison. Parce que c'est inutile que tu viennes ici. Il faut rester à la maison. Prépare ta terre afin que le Seigneur puisse y implanter sa semence glorieuse. Ne garde pas la semence de Dieu. Parce que la parole de Dieu est plantée dans nos cœurs avec douceur pour produire beaucoup de fruits. Amen. C'est ça le Seigneur, regardez le fruit. Est-ce que tu portes du fruit? Bien aimé. Alléluia. Bien aimé, tu vas lire Matthieu. Alléluia. Matthieu 13. Bien aimé. Matthieu chapitre 13. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, oui. C'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Il est content, mais il n'est pas disposé, mais il est content. Ah, mais c'est le Dieu, la parole de Dieu. Il est content. Combien ne sont pas contents? Combien ne reçoit pas la parole de Dieu avec beaucoup de joie? Mais ça ne suffit pas. Tu peux être joyeux, ce n'est qu'un coup de temps momentané de joie.
Le Seigneur veut que cette joie-là soit éternelle. Il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma joie. Amen. Un enfant de Dieu est toujours joyeux parce qu'il donne la joie. Même quand il y a des personnes qui ne vont pas chez lui, il ne veut pas tourmenter son frère. C'est pas. Mais cette joie momentanée, tu la reçois quand tu écoutes, et puis quand ça t'a fini d'écouter, la joie disparaît. C'est quoi ça? On appelle ça comment? Oui, frère. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Ouais. Il croit pour un temps. Il croit pour un temps. C'est-à-dire qu'au moment où il a vu, il a vu, il est content. C'est pour un temps, un petit temps. Oui. Et dès que survient une tribulation ou une persécution ouais. à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Quand il y a une tribulation ou une persécution, mais la persécution, c'est une poursuite injuste et violente. Le fait d'importuner quelqu'un de manière exagérée, toujours est sur lui, toujours pas de lui, toujours c'est lui qu'on critique. Mais si tu n'es pas en action, c'est le diable qui est en train de te poursuivre. Il faut comprendre que tu es le fils de le Seigneur et que ce n'est pas la persécution qui va t'empêcher d'être Dieu. On est en train de persécuter et de quoi? Je suis mon cher Dieu. Je suis attaché. Pour venir même renverser ma maison, Dieu me donnera une autre maison. Aussi longtemps que je vis, le Seigneur me rétablira. C'est ce qui est important, ce n'est pas ce qui se passe maintenant, mais c'est demain. On va rire de toi, on va se moquer de toi, mais demain quand on te verra, on va craquer. Regarde-moi. Parce que tu es Dieu. Les choses de Dieu, ça ne se dessine pas aussi loin. C'est un travail de longue haleine. Il faut travailler. Il y en a qui ne travaillent pas et puis veulent récolter leurs fruits. Tu as passé où pour récolter quels fruits? Puis il y a des voleurs au village. Ils dorment dans leur case. Ils ne travaillent pas. Et puis c'est la nuit maintenant qu'ils vont travailler pour récolter le plan des semences de leurs amis. Et puis un jour, tu le fais, on les attrape. Mais c'est comme ça. Il faut travailler. Travaille pour ta foi. Travaille pour ta vie. Et le Seigneur fera que tu m'aimes. À moins que tu as commencé avec des pleurs, parce qu'il y aura des persécutions, nous aurons l'occasion de parler de ces choses. Il y aura des difficultés. Mais ce sont des douleurs. Mais demain, tu vas dire. Alléluia. Mais quand même que tu es persécuté, si tu acceptes de te persécuter dans la vérité, le Seigneur te consolera. La boue, la joie sera dans ton cœur. Et tu marcheras sereinement. Celui-là qui te persécute, baissera la tête de ta vie. Et toi, tu te libéreras la tête. Amen. C'est pas ce que le Seigneur dit. Nous serons toujours à la tête et non la queue. Amen. Alléluia. Nos fronts vont briller. Nous allons relever la tête. Mais quand on dit on sera la tête à la queue, tu dis mal, tu te comportes mal, tu parles mal, vous voyez, tu marches mal. Et puis quand tu dis on va être à la tête et non à la queue. Quelle tête? C'est donné au vainqueur. Amen. Aux Amen. On mange pas être un vainqueur. Et il y en a, on ne comprend pas. Vous allez faire 5 ans, 10 ans, ils sont toujours à la tête. C'est toujours les mêmes bassesses dans lesquelles on les trouve. On ne comprend rien. Qu'est-ce qui se passe? La personne pense qu'elle nous fait du mal, alors qu'elle est en train de se faire du mal à elle-même. Bien-aimé, que Dieu me garde. Bien-aimé, le frère, il se connaît, il est venu, il a eu un son qui passe en élément. Et notre frère encore est venu me voir. Une sœur aussi est venue me voir. Ah, pasteur, vraiment, il y a fait un son. Où il y a moi, toi tu es parti. Mais j'écoute, j'ai vu, ça me fait rire. C'est pas ça qui me distrait. Moi, je ne suis pas encore parti. Je travaille pour partir. Mon pasteur est venu me dire, j'ai dormi sur mes lauriers. Je ne suis pas parti parce que j'ai peur pour moi. Quand je viens ici, vous savez. Quand l'Esprit de Dieu n'est pas là, je parle du Christ, je ne peux pas ouvrir la bouche. Ça, on se connaît pour ça. Il y en a qui sont conduits par l'Esprit et puis il y en a qui ne le sont pas. Nous devons faire attention. L'œuvre de Dieu n'est pas un jeu. C'est une question de vie ou de mort. On vous sensibilise, frère. Prenez votre vie spirituelle au sérieux. C'est une question de vie ou de mort. Ce n'est pas un jeu.
C'est un choix. Si tu as choisi la bonne part, tu prendras conscience. Un frère de Dieu ne va plus rien t'apporter n'importe quoi chez toi. Mais si tu n'as pas compris, toi, continue dans la bassesse. Ce n'est pas ce que Dieu a dit, Dieu a dit qu'il est important. Vous savez, quand je vous dis une chose, quand le Seigneur s'est présenté à Dieu, à Moïse, on ne voit pas le Seigneur. Dans l'ancien temps, personne ne peut voir le Seigneur en tant que tel et puis vivre. Mais pour la première fois où il s'est fait voir et qu'il s'est présenté à Moïse, Moïse n'a vu que de l'eau. Vous dites à Moïse, ma vie de dos, rappelle-toi ça. Ce qui est passé, est passé. Moi, là, je regarde devant. J'avance. C'est ce qui est devant qui est important. Laissez le passé dans son passé. Et apprécier la vie, ce qui est devant. Marchez de manière dure. Avancez sereinement. En réparant tout ce que vous avez à réparer. Bien-aimé. Et Dieu sera avec vous. Il n'est pas important. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu vous aime. Que le Seigneur nous vienne avec et qu'il nous tienne. Nous allons lever, nous allons prier au Seigneur.